girls get below. Show me what you got, girl, for sure. Make all the man them want go. The men that tell all the girls, they go to the center, Malaysia for me. Cause me and my men, them ready to fall. We are ready. Don't you?
Marty. Regardez cette vue aérienne du stade, ça promet énormément. On va avoir un spectacle absolument magnifique à l'occasion de ces 9e Jeux de la Francophonie. Le stade des Martyrs est complètement rempli, bien sûr, 80 000 personnes dans ce stade qui a été inauguré le 14 septembre 1994. Laetitia, est-ce que tu te souviens du match d'ouverture à l'occasion, et ça c'est une question que je te pose vraiment hard, hein. Est-ce que tu te souviens du match d'ouverture qui a eu lieu pour l'inauguration du stade? Et c'est exactement une bonne réponse de Laetitia, qui est journaliste, notre consoeur de la télévision nationale de la RDC, et qui va assurer avec moi la première partie de cette cérémonie d'ouverture qui va commencer évidemment par la fameuse parade des athlètes. Mais ce qu'on peut dire déjà, Laetitia, c'est que le cadre est posé, le décor est là, et franchement, comme on dit chez nous, ça a de la gueule, hein. Ils ont souvent l'habitude de voir ça ailleurs et on voit avec l'organisation du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Comité international des Jeux de la Francophonie et la population aussi, la plus grande ville francophone du monde qui s'est dit pourquoi rater cette fête. C'est pourquoi on a mis ça gratuitement. C'est un jour ouvrable, mais on voit les gens venir. Depuis 14 ans, je suis passée par là. J'ai vu en tout cas toutes les entrées. Il y avait tout le monde qui se bousculait pour être au stade. On sait que non seulement il y aura les athlètes qui vont défendre la RDC, on va voir le président de la République, on va voir les délégations qui ont accepté de venir ici en République démocratique du Congo. Et pourquoi pas Fally Ipupa, qui venait d'ailleurs de jouer récemment dans ce stade aussi, mais qui était plein comme un œuf. Mais aujourd'hui, c'est organisé, c'est tout autre. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Oui, Fally Ipupa qu'on verra tout à l'heure et qui est une grande star ici. C'est un peu le Johnny Hallyday. Il n'est plus à présenter. El Maravioso, comme on l'appelle, DiCaprio. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus la partie de mamie. Il est là, mais il est chanté. Et même dans le sport, il est ami des grands footballeurs, de Yaya Touré, Samuel Eto'o. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit toujours connaître et qu'on ne sait plus présenter. On sait que c'est parmi les grands. Voilà, exactement. Donc le décor est posé. Ce stade des Martyrs qui est un peu la cathédrale du football africain, il faut bien le dire, c'est un des stades les plus importants d'Afrique et qui a remplacé le mythique stade Tata Raphaël. Dans ce stade Tata Raphaël avait été organisé en 94 le combat 74. De boxe, en 74. Excellence, pardon. Monsieur le Président de la République. Alors, on va laisser la parole Congo, au Président de la République. Avec l'assurance de notre profonde déférence, Excellence Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Excellence Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame la ministre des Sports de la République française, Monsieur le ministre des Sports de la République du Cameroun, Monsieur le ministre des Sports du Tchad, Monsieur le ministre des Sports du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre des Sports du Gabon, Monsieur le ministre de la Culture d'Haïti, Monsieur le ministre de la Culture d'Île-Maurice, Monsieur le ministre des Sports du Niger, Monsieur le vice-ministre de Djibouti, Monsieur le chargé d'affaires AI de la Roumanie, Madame la ministre des Sports de l'Arménie, nous souhaitons aussi et surtout accueillir parmi nous Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous honore donc ce soir au même titre que tous les invités pour cet événement exceptionnel, vous l'aurez compris, les 9e Jeux de la francophonie ici même à Kinshasa. Le changement de narratif, le changement de paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons, durant quelques jours, ensemble, célébrer à l'unisson
cet idéal au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone. La République démocratique du Congo, vous l'aurez compris, est dans une sorte d'alignement des planètes. Certes, inscrit à l'agenda international, mais serais-je tenté de dire que c'est l'international qui est inscrit à de la République démocratique du Congo. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime et reste encore victime de beaucoup de violences. Mais indépendamment de cela, sa résilience fait sa force aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes auxquelles nous pensons aujourd'hui, qui ont versé un lourd tribut à cette violence qui nous est imposée injustement. Nous pensons aux calamités naturelles, aux catastrophes, mais aussi et surtout à cette guerre qui nous est injustement imposée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons respectueusement, ainsi que toute l'Assemblée réunie ici, à vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Impressionnante cette minute de silence respectée par les 80 000 spectateurs. Le moment T est enfin arrivé. Un moment tant attendu où nous allons ensemble voyager, et ce dans la francophonie, à travers l'art, la culture, le sport, la jeunesse. Kinshasa la Belle a aujourd'hui réuni plusieurs délégations participants et pays qui nous ont en effet honorés pour jouer. Et oui, en effet, il s'agit bel et bien ici d'un jeu, au 9e jeu de la francophonie. Alors, je vais vous demander de pouvoir attacher vos ceintures et nous allons laisser entrer la merveilleuse parade haute en couleur des 9e jeux de la francophonie ici à Kinshasa. C'est avec une certaine solennité quand même que cette cérémonie d'ouverture débute. On a rappelé évidemment le contexte géopolitique de la RDC qui insiste aujourd'hui sur la résilience, alors que c'est vrai, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup d'insécurité, et en fait je pense que... bien sûr, et qu'il y a un cœur qui bat ici en RDC, et que la résilience est quelque chose d'extrêmement important qui va être mis en valeur dans ce voyage. C'est ça d'ailleurs même l'objet même de l'organisation de ces jeux. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la guerre à l'est du pays, mais on a voulu montrer qu'on sait se surpasser, qu'on sait donc se démarquer quand on veut organiser les choses, et on veut la vie, on veut la paix. On est prêt également à être là, on a besoin du soutien de ceux qui partagent avec nous la même langue, le français, à travers ces jeux. Et également, ça sera aussi un apport diplomatique, un fort signal diplomatique pour la RDC également, pour ces pays francophones du monde, qui sont donc dans continuer également à prouver que la RDC est toujours parmi ces pays qu'on peut compter sur l'espace francophone. Oui, la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2017 les derniers Jeux de la francophonie, les 8e. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui est venue en nombre, vous le voyez, avec les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Et on pense forcément à Marie-Josée Talou, médaillée d'or
à l'occasion des Jeux d'Abidjan, la sprinteuse qui sera l'une des grandes vedettes des futurs Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi à Youssouf Maïté qui avait remporté le 100 mètres. Et puis côté culturel également, à noter que les marionnettes géantes ivoiriennes s'étaient imposées également à domicile. Donc voilà une équipe extrêmement riche, la Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place ici. Et qui se compte d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la Francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo. Et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas l'oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or au Jeux de la Francophonie en athlétisme avec Marco Rubondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est, à Goma. Là, on parle de la guerre et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kirochet. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage, c'est ça qui est important. Le Bénin alors. Le Bénin qui vient de nous battre. Bah oui, les écureuils qui sont devenus des guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr. Avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur, c'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sosouvi qui avait remporté le concours de sculpture, c'était à Abidjan, la tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr, les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et ouais, qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival du cinéma, leur festival, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en culture, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la Francophonie. En sculpture, on a en danse aussi, parce que la RDC est forte en danse, mais il faut dire que... Et attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze, c'était au Jeux de la Francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et puis, Burundi, l'un de nos 9 voisins, qui est aussi en train de... Vous avez 9 voisins? On a 9 voisins, la RDC, c'est un pays immense. 2000, c'est pratiquement un sous-continent, on est deuxième pays africain en superficie. 5 fois la France. Oui. 80 fois la Belgique. Donc parmi nos 9 voisins, on a le Burundi, on a également le Congo qui sera aussi là. Là, on voit qu'ils sont en train de défiler en ordre alphabétique, notamment le Burundi qui est là aussi et qui se recherche en sport également. Qui ont déjà remporté 11 médailles aux Jeux de la Francophonie en 8 éditions. On pense notamment à Roland Lewis Ruggiero qui avait remporté une médaille de bronze au concours de littérature et Diane Nkouri-Johnson qui, elle, s'était imposée sur le 10 000 mètres de Nice. Je pensais à quelque chose, Laetitia, on a le grand maître d'œuvre de la cérémonie, on l'a vu tout à l'heure dans son bel habit noir. J'ai noté une richesse incroyable vocabulaire. En France aujourd'hui, tous les jeunes disent du coup. Ils utilisent du coup sans arrêt. Là, j'ai entendu ce discours-là, il n'y a pas un du coup. Il y a des mots très riches. Donc la langue française, eh bien, elle a aussi son importance, bien sûr. Elle prend toute sa valeur dans la francophonie. Et Kinshasa, RDC, c'est parmi les pays qui est en train de conserver les valeurs de cette langue à travers également, bien que le dictionnaire, le mot français évolue, mais on garde toujours en tout cas ces mots et la culture française, la culture de la langue française. Le Cameroun. Alors attention, le Cameroun, ce sont des costauds. Hein. 81 médailles déjà remportées dans ces Jeux de la Francophonie. C'est un pays très complet avec comme porte-drapeau, figure-toi, de la délégation, Emmanuel Essémé, qui sera le grand favori du 100 mètres, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 9,96. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux et il est là, présent à Kinshasa, pour... TD customers get up to 30% off a new home insurance policy from TD Insurance. Conditions apply.
s'aligner sur le 100 mètres plat. Ce sera bien sûr dans les épreuves d'athlètes. Le Canada, qui est venu avec une délégation réduite, mais qui s'est dit qu'il ne pouvait pas rater ces jeux de la francophonie. Ils sont là avec leurs artistes pour participer à ces jeux de la francophonie. Là déjà, on sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Oh oui. C'est déjà le spectacle même qui commence. C'est génial, c'est génial. Génial. Voilà, voilà la vitalité. Alors, il y en a qui ont refusé de venir. Enfin, ce ne sont pas les athlètes qui ont refusé de venir. Ce sont les gouvernements qui ont pensé que c'était un peu dangereux, etc. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là. Ça, c'est clair. Et c'est finalement l'essentiel. Et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui voulaient être là et qui n'ont pas pu l'être. Alors, Canada, Nouveau-Brunswick, notre province francophone du Canada, où devait d'ailleurs être organisé ces jeux de la francophonie, que Kinshasa a remplacé au pied levé. Hein. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, le New Brunswick, où on parle également l'anglais, bien sûr, et le français. Les voisins. La famille, on peut dire. Il y a la chanson qui dit Kinshasa, Brazza et Zamboukama. C'est-à-dire que Kinshasa et Brazza, c'est la même langue. Nous parlons la même langue, nous parlons le français. Il y a le fleuve entre les deux. Le deux capitales le plus rapproché du monde, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas, c'est la famille. Traverser pratiquement 5 minutes pour prendre le bateau et traverser quand il y avait la traversée chaque jour. Nous allions souvent faire le marché. Je préfère souvent aller à Poto-Poto que d'aller au grand marché, tu t'es dit, je préfère aller. Donc c'est vraiment la famille. Et avec eux, c'est non seulement le football où on joue ensemble, mais aussi avec la sapologie, parce que dans cette francophonie, hormis le Nzango, les sapeurs sont là pour montrer qu'en République démocratique du Congo, on a des valeurs à présenter. Les sapeurs, c'est ceux qui sont bien sapés. Oui, la sapologie, la société des ambianceurs. Merci à Mamie Léla qui est toujours là pour m'essouffler pour la culture. Ouais. Et bien donc la sapologie est là et là ça sera beaucoup plus dans les quartiers de Papawemba à Makonge. Et c'est là et vous verrez certainement ils vont aussi défiler, c'est prévu, à moins qu'il y ait changement. Djibouti. Ouais, alors aussi, Djibouti, on a vu qu'ils étaient présents dans un reportage au niveau de la danse, je crois. Le reportage qu'on a montré juste avant. Cette somptueuse cérémonie, les Émirats Arabes Unis, qui est ces nations qui sont parmi les observateurs dans la liste des 88 États membres de la francophonie, et bien c'est vraiment la fête. Il y a quand même 300 000 locuteurs dans les Émirats, donc c'est pas rien. Hein. La langue française est enseignée dans de nombreuses écoles et universités privées, dans les écoles publiques locales. Des et bien milieux... la France. Pourquoi il baisse la tête? Pourquoi il baisse la tête? La France est là. Bien sûr, la France est là. Alors, la France est très présente dans la partie culturelle, un peu moins dans la partie sportive, puisque nous aurons essentiellement des lutteurs et des judokas. Mais regardez, ils sont pas malheureux là, regardez, ils ont tous le sourire. Ils sont là aussi, question de se mesurer avant les Jeux Olympiques. Attends, excuse-moi de te demander pardon, mais côté sapologie, on n'est pas mauvais non plus. Oui. Hein. En tout cas, le Gabon aussi, qui venait de remporter le tournoi UNIFAC ici à Kinshasa en football. Ils étaient là quand on préparait les Jeux de la francophonie. Ils étaient là quand on a fait le tournoi de l'athlétisme. Il y a eu l'association des fédérations d'athlétisme francophone qui était ici à Kinshasa et 2 mois passés pour préparer ces Jeux en athlétisme. Le Gabon était là et même au tournoi de l'UNIFAC. Ils sont là également en sport et en culture voulais-je dire, pour ces Jeux de la francophonie. Cela voudrait simplement dire que la fête est vraiment réussie. Ouais, attention à eux en hip-hop notamment, où ils avaient remporté une belle médaille de bronze à Abidjan, les Gabonais. La Guinée. En effet, c'est inscrit dans malgré qu'en football, ils ont désisté, mais quand même, ils ont mené une délégation. Une délégation. Absolument. Ils prendront bien sûr la peine de nous montrer ce dont ils sont la Guinée, capables. On parle plusieurs langues, mais également bien sûr le français. On les appelle les Sili, c'est aussi les éléphants, en langue soussou.
Donc vous voyez, on a parlé avec tous les animaux. Il y a souvent, quand on parle des équipes nationales en Afrique, on veut prendre les noms des animaux. Et aussi, ce sont les éléphants comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il y a la Guinée équatoriale qui est là. Il y a la Guinée plus la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo, et qui est une des rares délégations à ne pas avoir encore de médaille dans ces Jeux de la francophonie. On peut leur souhaiter d'en avoir une là, à l'occasion de cette édition quinoise. C'est aussi une nation qui s'est mise aussi souvent en sport. On a vu qui a pris la CAN 2015 alors que c'est pas eux qui devaient organiser. Mais récemment, c'est eux qui organisent souvent en Afrique centrale les tournois, les éliminatoires en football féminin et également en football chez les messieurs. On sent que dans ce coin de l'Afrique, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui veut vendre aussi son sport. Oui, il y a une vitalité extraordinaire qui devrait se confirmer ici à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le Kosovo qui est là également. Le Kosovo, une ex-partie de la défunte Yougoslavie, qui a également une délégation réduite, mais qui est présente ici à Kinshasa. Le Liban a organisé la 6e édition. Le Liban également qui a annoncé, le Liban qui a organisé en 2009. 2009, exactement, j'y étais. Le Liban qui est également dans de grandes difficultés actuellement économiques. Et là, en 2009, il faut souligner que la République démocratique du Congo avait gagné une médaille d'or en littérature avec Fiston Mwanza Mujila qui vit maintenant en France et 3 médailles de bronze en judo avec Mushindi Bouchaleur qui est aujourd'hui parmi les techniciens en judo. Il y avait Dari Lukuku dans la catégorie de moins de 73 kg et Cédric Mandembo. La RDC avait gagné 3 médailles en judo et 1 médaille en littérature. La seule médaille en culture pour la RDC jusque-là. Très bien. Les Malgaches, Madagascar, ça me fait penser forcément à Nicole Ramalalanirina qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie en 1994 et surtout en 1997 où les Jeux de la francophonie avaient lieu à Tananarive. Il faut dire que Madagascar est là pour préparer les Jeux des îles, ça sera au mois d'août. Une délégation de 78 personnes qui sont là, ils vont recevoir ces Jeux des îles à domicile. C'était 78 alors, moi c'était pas 92 alors. C'est 78, ah, 78 en culture et en sport, avec le basket notamment qui va commencer demain samedi. Alors ils ont dit qu'ils ne devaient pas manquer, ils sont arrivés jeudi matin, ils se sont dit il faut être là parce que c'est une occasion pour eux de préparer le jeu des îles à domicile. Le Maroc bien sûr extrêmement présent en athlétisme notamment. Je me souviens bien sûr d'Hicham El Guerrouch qui avait remporté une médaille de bronze sur 1500 mètres. C'était en 1994. Vous voyez que les plus grands champions sont passés par la francophonie, puisque la francophonie en général s'intéresse aux jeunes talents. Ce sont des gens qui sont encore en devenir et qui ensuite vont gagner des médailles dans les championnats continentaux, dans les championnats du monde, voire dans les Jeux olympiques comme Hicham bien sûr. Le Maroc très très présent. D'ailleurs la première nation africaine dans le palmarès après la France, le Canada et la Roumanie. Dans le palmarès de toutes les médailles de la francophonie, ils sont quatrièmes avec 174 médailles, dont 52 en or, 67 en argent et 55 en bronze. Donc c'est une nation qui s'y met et qui représente valablement la francophonie sur le continent africain. Ça c'est clair, et je vous le disais notamment avec une équipe d'athlètes et des footballeurs également de haut niveau. L'île Maurice bien sûr, l'île Maurice, cette île de l'océan Indien, également représentée dans la francophonie avec pratiquement 1 million de locuteurs, de gens qui parlent français. 47 médailles remportées par les Mauriciens et les Mauriciennes depuis la création des Jeux de la francophonie. Notamment les frères Joseph qui avaient gagné le concours culturel de danse. C'était à Abidjan il y a maintenant 6 ans. Bien, ils sont là en culture, également en sport, avec les 9 disciplines qu'on a. On peut toujours rappeler à ceux qui ont suivi l'athlétisme, la télévision, l'e-sport, le judo, le cyclisme, le football, le basketball, le féminin. Et c'est
nations qui sont en train de défiler en front politique dans les 11 conflits culturels et dans les 9 disciplines sportives. Exactement. Donc un programme très, très chargé, très nourri, dont nous vous rendrons compte, bien sûr, de la manière la plus complète possible. Ça, c'est le drapeau mauricien. Il y a une grosse ambiance ce soir au Stade des Martyrs et on en est qu'aux prémices, bien sûr, qu'au défilé des délégations. On a une pensée, bien sûr, pour le Niger qui actuellement vit des heures extrêmement troublées puisqu'il y a eu un coup d'État il y a maintenant 2 jours. Le président Mohamed Bazoum a été renversé, l'armée a pris le pouvoir. C'est un peu encore assez trouble ce qui se passe actuellement au Niger, mais la délégation est là, bien sûr, pour essayer de penser à autre chose, surtout, et surtout aussi à recevoir la solidarité de la part des autres nations francophones. 22 médailles au total en 8 éditions pour les Nigériens et non pas les Nigérians. Oui, les Nigériens. Et en parlant du Niger, c'est la preuve que le sport reste le seul vecteur de paix qui réunit malgré les situations difficiles en politique. Les Niger est là et pour montrer, ils ont aussi une autre image à présenter. Ils n'ont pas que les coups d'État pour parler du Niger, mais c'est également le sport et la culture. Quel beau discours, Laetitia, auquel je souscris complètement. Si on se contentait des joutes sportives, on vivrait certainement beaucoup mieux, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir en accueillant les Roumains qui vous ont battu au basket aujourd'hui. Aujourd'hui, après avoir perdu hier face au Liban. Mais il faut dire qu'on regardait le palmarès du basketball au jeu de la francophonie. C'est une nation qui est forte, mais avec cette équipe qui est arrivée, c'est les jeunes, les élèves, une équipe juste qu'on est en train de préparer. C'est pour ça peut-être qu'ils ont perdu hier face aux Libanaises. Mais ils se sont rattrapés aujourd'hui. Ça permet aussi à la jeunesse d'entrer dans les grands événements où la Roumanie a apporté des élèves pour participer à ces jeux de la francophonie. Voilà, 5 millions de personnes en Roumanie qui parlent le français et 155 médailles remportées au total depuis la création des Jeux de la francophonie. Encore une nation majeure du continent africain, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a donné un message fort en gagnant tout en football. Et là, on va voir au jeu de la francophonie. Ce sont les favoris. Les favoris, ils sont favoris. Ils ont gagné pratiquement tout. La CAN, le CHAN, les moins de 20 ans. Et là, au jeu de la francophonie, c'est la nation que tout le monde va regarder. Voilà, et pour craindre. Voir et craindre. Je pour pense voir d'ailleurs si de mémoire. Ils vont aussi garder. De mémoire, ma chère Laetitia, je pense que le Sénégal va jouer demain, il me semble, contre le Congo. Le Congo. Ouais. Et ça va être un premier test important pour les Sénégalais. C'est quel nom? Les Lions de la Teranga. Les Lions, ben oui, les Lions de la Teranga. Il y a 5 lions en Afrique, les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun. Bon, nous aussi, nous étions les Lions, oui, quand vous appelez les Simba. Nous, maintenant, nous sommes les Léopards. Et il y a également les Simba en Tanzanie également. Donc l'Afrique, on prend beaucoup plus les noms des animaux. Ouais. Cela vient beaucoup plus des totems qu'on avait avec les villages avant la colonisation et c'est resté ainsi. Personne n'a pris les renards. Non. Ouais, j'aurais bien pris le renard. Hein, mais bon, pas grave. On va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve. Et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font les mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles ont remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche, c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la sapologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent et ces gens de la culture qui sont en train de monter. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur entrée qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis bien sûr il y aura la culture, on pense quand on parle d'athlète à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie
les Sao du Tchad. Ah, j'ai pas vu les Tchadiens, ouais. Qui vont maintenant, qui sont en train de défiler, on vient de les, oui, montrer, on les voit, là, ouais. Qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là, c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Bon, côté sapologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Hein. Là, c'est beaucoup plus les boubous. Pour les garçons, bon, le Bermuda, c'est moyen. Hein. Les boubous, c'est leur tenue, c'est beau, d'ailleurs, c'est les robes là que vous voyez. C'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on voit les éperviers. Togo. Les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems, 4 médailles seulement au jeu pour les Togolais, où on parle français, et oui, Mina, Kabyé et Dagomba. Et on danse aussi. On danse aussi et ils sont en tenue traditionnelle. C'est la joie. Vous voyez pourquoi j'aime l'Afrique. Ils sont dans l'ambiance. Ben, c'est incroyable, incroyable. Ils ne peuvent pas tenir en place. Tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie. En sport tout comme en culture. D'ailleurs hier ils ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas arrivé pour le basket. Mais quand même elle reste là joviale. Alors assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également, les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Oui, c'est pratiquement toutes les nations qui sont là, ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défiler. Exactement, il nous manque l'Océanie, mais autrement on est pas mal. Le Vietnam avec comme spécialité le tennis de table, on les verra bien sûr à l'œuvre. Et puis bien sûr la culture aussi. On a aussi question féminin, côté sapologie, c'est pas mal non plus. Là, c'est purement asiatique. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et il reste une nation, je pense. Ah non, il y a d'abord la Wallonie. Wallonie-Bruxelles. J'avais oublié le W. La Wallonie-Bruxelles. Alors les là, Noko, comme on les appelle. Ici, on les appelle les Noko, c'est-à-dire les oncles. Ah oui. Comme ils ont colonisé, la Belgique nous a colonisé, on les appelle. Quand tu envoies un Congolais parler des Noko, c'est-à-dire les oncles, on parle de la Belgique. Oh, oh, oh. Tu vois, c'est pourquoi ils sont soutenus, parce qu'on se dit, ce sont les oncles. Et on est venu avec eux. Les neveux, voilà les neveux. Et les oncles, ensemble, en train d'entrer au Stade des Martyrs. Et là, ça fait vraiment beau. Là, je te laisse la parole, ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le pays de Fatshi Béton. Et les athlètes qui sont en train d'entrer en bagne, bien habillés. Alors tu dis Fatih parce que... Fatih Béton, c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appelle Fatih Béton. Et ça lui plaît ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec... Regardez, là il y a un léger débordement de la délégation. Ah là, ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Kin? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position. Parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre parce le feu, que tout ouais, ça, c'est chaud. Et on est bouillant. Ouais. C'est normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer... aligné, voilà, il fallait saluer les spectateurs, saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5, on sait que ça passe. Ouais. Et beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure, et même du pays tout entier, bah, elle est complètement résumée dans ce défilé. Il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors la question sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait là, on a l'impression de... Ça va venir, ils vont venir, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec
Interclub de Nanzo de Kinshasa. Benzango dont tu parlais, dont parlais tout à l'heure. Oui. La Marelle qui est devenue sport national. Sport national avec les dames, avec celles de Congo Brazzaville et de Congo Kinshasa. Et on a voulu mettre ça en démonstration au jeu de la francophonie parce que c'est un jeu qui a duré, qui est depuis longtemps en pratique toujours. Oui, puis qui vient des écoles, hein, qui vient de la tendre enfance et qui fait partie intégrante de la culture, bien sûr. Hein. Puisque on oppose souvent le sport et la culture, mais c'est une bêtise. Hein. Le sport et la culture sont comme vous avec les Belges. Hein. C'est l'oncle et le neveu. Hein, l'oncle et le neveu. Oui, bien sûr. Mais oui, là, c'est pratiquement toutes les délégations qui sont déjà sur place. Et maintenant, je pense qu'on va passer à une partie un peu plus protocolaire, c'est-à-dire l'heure des discours. Et puis, écoute, ma chère Laetitia, tu vas passer le relais, le témoin. Ça, c'est... En athlée, tu sais, tu vas passer le témoin à mamie, puisqu'on va rentrer dans la partie culturelle. Je voulais te remercier vraiment parce que ça a été un bonheur de partager avec toi ce moment de grâce. Merci, c'est moi qui te remercie pour cet honneur. Voilà, Laetitia, qui est notre consoeur de la télévision de la RDC, spécialiste dans le foot, mais j'ai envie de dire spécialiste dans tout, en fait. Et c'était un vrai plaisir de l'avoir à mes côtés. Et maintenant, on va passer avec mamie Blue. Blue parce que en sapologie c'est le bleu qui domine chez elle et mamie qui évidemment va participer avec nous à la dernière partie qui sera la partie culturelle de cette cérémonie d'ouverture qui est partie sur des bases très élevées comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant sortir du stade mais qui aura fait mamie une impression qui aura laissé une impression magnifique de dynamisme, de jeunesse, d'énergie positive. Image de la République démocratique du Congo qui attendait impatiemment l'organisation de ces Jeux. Aujourd'hui, c'est le jour. Il était tout à fait normal dans l'annonce à l'entrée de cette forte délégation de la RDC que ça puisse faire bouger le stade. Nous sommes chez nous et bien sûr, nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations qui viennent pour participer à ce 9e jeu de la francophonie. Bienvenue, soyez chez vous. Vous êtes chez vous au Congo démocratique et en direct sur TV5. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous avec qui nous avons un partage. Cette très belle langue française. Voilà. Donc il n'y a pas que la langue française qui est parlée ici, bien sûr. Il y a quatre langues officielles. Oui, quatre langues officielles, le Swahili, le Tchiluba, le Lingala, le Kikongo, qui depuis pratiquement la conférence nationale souveraine qui a eu il y a plus de 20 ans, ont été élevées au même rang que le français comme langue officielle. Alors toi, tu parles essentiellement en dehors du français Lingala. Lingala. Donc tu vas nous dire... bienvenue à tous en Lingala. Mbote, boye bolamo, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Congo démocratique. Non, là tu parles français. Mbote, karibu. Voilà, mbote. Là tu parles Swahili. Là c'est Swahili. Non, je te demande du Lingala. Lingala, mbote nabino, boye bolamo, awa namboka Kinshasa, to tombe nabino, banso boye bolamo, bofanda kitoko, bolala kitoko, bolala kitoko, bosebela kitoko, tokos, tokos, tokos. Voilà, bon ça, voilà, je préfère ne pas traduire, mais c'était très sympa. Hein. C'était quelque chose d'extrêmement positif, de quoi nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de cette cérémonie, qui va être une partie plus protocolaire, avec la prise de parole des officiers. Oui, il est prévu notamment la prise de parole du directeur de comité du 9e jeu de la francophonie en RDC, M. Isidore Kwanja Ngembo, qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui a pris le travaux du 9e jeu pratiquement au pied levé. Il était prévu que ça commence un peu plus tôt avec la Covid. La RDC n'était pas prêt finalement de changement de report à report. C'est lui qui a eu la mission de nous amener à la francophonie. C'est un monsieur à féliciter, à encourager. Il a réussi ce pari, donc tout à l'heure il va prendre la parole. Nous aurons également la prise de la parole de la responsable de jeu de la francophonie qui est avec nous ici au Congo démocratique et qui va prendre la parole. Enfin, ce sera la parole au président de la République qui bien sûr a accepté que la RDC porte sa candidature pour ces jeux de francophonie qui devait normalement se tenir au Canada, New Brunswick, qui a renoncé, la RDC a accepté. Et Fatih Béton va tout à l'heure annoncer officiellement l'ouverture
ses 9e jeux de la francophonie pendant 10 jours. À noter d'ailleurs, que Fatih Béton, je me permets de l'appeler comme ça. Je t'en prie. Non, non, mais je t'en prie. Qu'il ne m'en veuille pas. Non, 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 c'est autorisé, autorisé. Voilà, il a préféré venir honorer de sa présence ces jeux plutôt que de répondre à l'invitation de Poutine de sur le sommet entre la Russie et l'Afrique. Il a préféré honorer les délégations qui venaient dans son pays pour célébrer ce jeu de la francophonie que lui organise. Il était tout à fait normal qu'à ce moment-là, qu'il prenne l'option de rester chez lui et d'accueillir toutes ces délégations, plus de 40 délégations qui sont venues de partout le monde pour assister, vivre le 9e jeu de la francophonie qu'on peut dire que ça a déjà commencé, en attendant la phrase sacrée qui va annoncer. Voilà, nous sommes aux hymnes nationaux, je sais pas. Oui, je pense que c'est l'hymne national, enfin l'hymne de la francophonie, non ? Ou l'hymne de... Voilà. Alors. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique, Christophe Lutundula Apala Penepala, qui va prendre la parole. D'accord. Parce que la francophonie relève des affaires étrangères. Oui, il n'a pas de surnom. Il n'a pas de surnom. Non, Christophe Lutundula Apala Penepala. D'accord. Quelle ambiance, quelle ambiance. Et ça chauffe, et ça chauffe, et ça chauffe. Et c'est la RDC, c'est le Congo démocratique, mesdames et messieurs, en direct, pour célébrer ce 9e jeu, attends, qui était une illusion hier, mais aujourd'hui, là, maintenant, là, c'est une réalité. Attends, on va regarder comment, parce que je ne sais pas comment il va se faire entendre, parce que là, c'est parti fort. Hein. Non, il peut y aller. Il peut tu crois qu'il peut y aller, parce que là, regarde. Voilà. Messieurs. Ah, il va avoir du mal. Il peut y aller, il peut y aller. Non, 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 il va avoir du mal. Ah, c'est pas non, on s'est trompé, c'est pas... Non, tu t'es trompé, c'est François Claude. Non, c'est pas... C'est François... non, Christophe Lutundula. D'accord, là, c'est dur parce que personne... Non, il a du mal à se faire entendre. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Messieurs les premiers ministres, représentants personnels des chefs d'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de la République du Sénégal, Macky Sall, messieurs les présidents des chambres législatives de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, les chefs et membres des corps constitués de la République démocratique du Congo à vos titres et qualités respectifs. Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mesdames et messieurs les chefs de délégation au 9e jeu de la francophonie, jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Mesdames et messieurs les invités, tout protocole confondu, le gouvernement de la République démocratique du Congo et son premier ministre, M. Jean-Michel Lukombe Sama Kenge, vous salue très chaleureusement et se félicite de votre présence ce jour en ces hauts lieux du sport pour les Congolais. Enfin, enfin, ça y est, nous voici arrivés au jour J des 9e Jeux de la francophonie, tant attendus et qui seront ouverts dans quelques instants
par le chef de l'État de la RDC, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, permettez-moi de souligner que ce navire qui vient de jeter l'ancre aujourd'hui au Stade des Martyrs a fait un long parcours pendant 6 ans depuis Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, où s'était tenue la 8e édition des Jeux de la Francophonie en 2017. En effet, les Jeux de la Francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud. Ils servent de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle et pour une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inextricable à cause du désengagement de New Brunswick, qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part, et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ce contexte des 9e Jeux de la Francophonie menacés d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi les 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Le 31 octobre 2019, les cahiers de charges des 9e Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo a été signé par l'administratrice de l'OIF et notre Premier ministre. Depuis lors, en dépit de la conjoncture économique et financière très difficile par suite de la COVID-19 et de la guerre d'agression imposée au peuple congolais à l'est du pays, le gouvernement de la République s'est jeté à l'eau sous l'autorité du chef de l'État et avec lui-même pour relever les défis de l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Des chantiers ont été ouverts à Kinshasa, au stade de Martyrs et au stade Tata Raphaël pour construire les sites des Jeux ainsi qu'au campus de l'Université de Kinshasa pour l'hébergement des participants et de certains accompagnateurs. À ce jour, terrain de football et de basket, gymnase pour le tennis de table et les arts martiaux, centre de santé, restaurant, etc., etc. En somme, toutes les infrastructures sportives et culturelles nécessaires, financées à 100% par l'État congolais, sont prêtes à accueillir des athlètes et des artistes francophones. Excellences, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, vos compatriotes, vous avons vu descendre plusieurs fois sur le terrain en tenue de chantier. Nous vous avons vu harceler sans cesse les ministres sectoriels compétents, voire les chefs d'entreprise concernés. Nous vous avons vu encourager les travailleurs. Votre détermination et engagement personnel ont permis, Monsieur le Président, de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes mis à la disposition de la jeunesse francophone. Grâce à vous, Monsieur le Président, 50 ans après le combat Ali Foreman, qualifié de combat du siècle, le peuple congolais a la joie d'organiser à ce jour une manifestation sportive et culturelle de portée mondiale avec la participation d'au moins 3000 athlètes, artistes et accompagnateurs et de surcroît sur plusieurs sites.
Vous avez, Monsieur le Président, pris l'engagement de sauver les 9e Jeux de la francophonie. Cet engagement est honoré. Vous avez, Monsieur le Président, promis à la jeunesse francophone en général et aux jeunes Congolais en particulier cette fête sportive et culturelle. Elle est là. C'est une réalité palpable et incontestable. Promesse tenue. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à promouvoir des talents des jeunes et à relancer le sport national. Le décor est planté. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale exigent de reconnaître en votre auguste personne, Monsieur le Président de la République, le premier vainqueur, le premier champion de ce challenge. Vous avez ainsi démontré une fois de plus la preuve que vous êtes véritablement une excellence. Le peuple congolais vous en sait gré. Quant aux jeunes francophones de tous les horizons et particulièrement à nous, vos compatriotes congolais, les défis majeurs à relever restent les suivants. Primo, la gestion responsable du nouveau patrimoine sportif et culturel qui nécessite notamment un entretien régulier des équipements, leur sécurité et le respect aussi bien des normes techniques d'utilisation que de la destination originelle de chaque infrastructure. Secundo, le bon usage et l'optimisation de ces infrastructures des standards internationaux pour que d'une part, elles contribuent au rayonnement du sport et de la culture de notre pays et d'autre part, leur apportent de la valeur ajoutée, notamment par la diversification des disciplines et la promotion de talents. En effet, la préservation et le bon usage de cet héritage s'imposent comme un impératif qui nous offre l'opportunité de renouer avec notre passé glorieux d'une nation sportive et culturelle qui gagne, à l'instar des exploits de nos léopards footballeurs et basketteuses des années 68 et 80 et des artistes de grands talents qui ont fait la fierté et la renommée de notre pays. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs et membres de corps constitués de la République, Madame l'administratrice de l'ORIEF, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, je peux vous rassurer que le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions requises pour relever les défis ci-dessus. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples, vive la RDC, je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Voilà, nous allons à présent après le vice-premier inviter solennellement Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Caroline Saint-Hilaire, à prendre la parole du haut de la tribune présidentielle. Caroline Saint-Hilaire, canadienne donc, qui parle au nom de la secrétaire générale qui n'est pas venue aujourd'hui, donc ici à Kinshasa. Louise Mushikiwabo, la rwandaise secrétaire générale de l'OIF, donc qui a délégué Caroline Saint-Hilaire. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et délégués, chère délégation de la francophonie, chère jeunesse francophone, en cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie,
Je suis heureuse de m'adresser. Reset your password quickly and easily in the TD app. That's help that actually helps. C'est à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux sont une ode à l'unité et à la diversité, un hymne à la créativité et à l'excellence. Ces Jeux transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sous une même bannière, celle de la francophonie. Cette constellation éclatante de 88 États et gouvernements, tous liés par la langue française et animés par des valeurs communes. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Vos prouesses et votre passion enflamment nos cœurs et à travers vos exploits, vous tissez des liens indéfectibles entre tous les peuples. La langue française, c'est bien plus qu'un outil de communication. C'est un puissant écho de nos arts, de nos cultures et de nos traditions. Elle est un symbole vivant, une mélodie en perpétuelle évolution, enrichie par les accents et les parlers de notre vaste espace francophone. Ensemble, nous portons les couleurs de l'égalité, de l'inclusion et de la diversité. Les Jeux de la francophonie sont l'expression éclatante de notre engagement pour un monde où chacun et chacune, peu importe son genre, peu importe son origine ou ses capacités, a sa place et peut s'épanouir pleinement. En ce lieu béni du bassin du Congo, nous nous unissons également pour protéger notre planète, pour préserver la beauté fragile de notre terre nourricière. Ces Jeux sont une déclaration d'amour envers la nature, un cri d'espoir pour un avenir durable. Mesdames et messieurs, les Jeux de la francophonie, c'est bien plus qu'une compétition. Ils sont l'expression de notre humanité partagée, un hymne à la paix, à la fraternité entre les peuples. Ils sont le reflet de nos valeurs universelles, le symbole de notre engagement pour un avenir meilleur. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les délégués techniques des fédérations sportives internationales, les arbitres et les jurés culturels. Votre dévouement et votre expertise font de ces Jeux une célébration unique de l'excellence, mais aussi du fair-play. Enfin, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je souhaite à tous les participants et à tous les participants des moments inoubliables, empreint de dépassement de soi et des émotions intenses. Que cette célébration soit le prélude d'une symphonie grandiose, portée par la magie de la francophonie et l'ardeur de notre jeunesse. Vive la francophonie! Vive la jeunesse! Voilà, très, très, très beau cri du cœur de Caroline Saint-Hilaire. Excellence, mesdames et messieurs, chers amis francophones, c'est avec enthousiasme et honneur que j'invite Son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, à faire résonner sa voix et à proclamer enfin l'ouverture.
l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Voilà, donc dans quelques instants, le moment tant attendu, bien sûr, de la part du président de la République. Que vous prénommez affectueusement Fatih Béton. Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Excellence, Messieurs les Premiers ministres et représentants des chefs d'État. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, ici représentée, Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les participants au 9e jour de la francophonie, chers jeunes francophones, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers jeunes francophones, nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité, de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie, j'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé, non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais
victime d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords, avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, jeunes athlètes et artistes francophones, distingués invités, ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscients de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidés à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire, pendant 10 jours, l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc
à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la Francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours du président de la République. On notera que les meilleurs, ses vrais amis, sont dans la difficulté. On les reconnaît dans la difficulté. Ça a été une de ses paroles fortes. Et puis que la compétition, certes, mais avant tout le partage, la bienveillance et l'amitié entre les peuples francophones. La victoire passant au deuxième plan. Voilà donc le drapeau de la francophonie et l'hymne francophone joué par la fanfare. On a vu sa mamie la tenue sportive du président et vous me disiez hors antenne que ce n'est pas un artifice, c'est quelqu'un qui est très, très concerné par les affaires du sport. Un habitué du stade de Martyrs, il est souvent là-bas pour un match, pour une activité sportive. Le président de la République est toujours là, dans sa position de sportif d'abord. Et il était tout à fait normal qu'il soit aussi dans cette position-là aujourd'hui, alors que c'est lui qui ouvre, qui déclare ouverte ses 9e Jeux de la francophonie. Tant attendu, tant préparé, finalement. Kinshasa, l'espace francophone, hein, pendant 10 jours. Kinshasa sera la capitale mondiale de la francophonie. Oui, et il a bien précisé qu'à l'horizon 2050, le plus grand nombre de locuteurs francophones seront en RDC, devant la France. Donc, c'est faisable. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé, et c'est, je pense qu'il l'a annoncé avec une certaine fierté. Et ça nous conforte dans l'idée que la France, est, le français plus exactement, est une langue encore très vivante, très dynamique, et qui est aujourd'hui un trait d'union entre beaucoup de cultures, beaucoup de peuples différents qui se retrouvent sous cette bannière francophone. Tout à fait, Patrick. Afin de prêter serment de manière officielle. Alors là, c'est l'heure du au serment. Nom des athlètes de la délégation congolaise, nous allons inviter l'athlète Olivier Mouimba Sefou à prendre place sur le podium. Voilà, donc Olivier Mouimba Sefou qui va parler au nom de tous les athlètes et qui va effectivement évoquer la loyauté dont il faut faire preuve. Au nom de tous les participants, je promets que nous, artistes et sportifs,